Shalom à tous les PQV qui sont là. Quelqu'un dit, il a dit quoi? Shalom à quoi? P quoi? Dis-lui, c'est PQV. Et ça veut dire quoi? Alléluia. J'ai entendu quelqu'un dire MTC. More than conqueror. Ça, c'est pour les anglophones. Nous sommes des PQV. We are the MTC. Alléluia! Nous allons parler du repas des plus que vainqueurs. Le repas des plus que vainqueurs. Bon appétit spirituel. Le repas de plus que vainqueurs. Genèse 14, 17 à 20. Excusez-moi. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et ce n'est pas pour la décoration. Il fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni sois Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Matthieu 4:4. Matthieu 4:4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Comprenons l'intelligence de Dieu. Quand il fait des parallélismes, c'est pour nous dire ce qu'il a à nous dire, mais c'est pour nous apprendre quelque chose de plus profond à travers ou au-delà de ce qu'il a à nous dire. Par exemple, quand il dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Il aurait dû dire simplement « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Mais il est en train de dire que quand tu es rempli de l'Esprit, ça a un effet similaire à l'ivresse. C'est pour ça qu'il dit ça dans ce sens-là et c'est une bonne ivresse. Il dit, au lieu de laisser le vin prendre ton contrôle, laisse plutôt le Saint-Esprit prendre ton contrôle. J'avais un oncle qui était très, 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 très timide et, et méchant en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il était reconnu pour être saoul. Et quand il boit, il vient te dire, t'insulter, dit tout ce qu'il pense. Et le lendemain, il dit, c'est pas ma faute. J'étais sous l'effet de l'alcool. Mais vous savez, en réalité, bon, je ne te demande pas de le faire, mais si tu essaies d'être ivre, tu vas pouvoir faire sortir ce que tu caches. Alléluia. Quand tu es rempli de l'Esprit, Dieu qui est enfoui en toi sort. Avec assurance. Regardez comment Pierre a renié Jésus avant d'être rempli de l'Esprit. Quand il dit, je n'ai jamais entendu parler de cet homme, il savait qu'il mentait parce qu'il aimait Jésus. Mais après, il se tient devant une multitude, il dit, c'est Jésus-là que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui, Seigneur Christ, nous en sommes témoins. Sous l'ivresse de l'Esprit, il avait l'audace d'exprimer
ce qui était tapis dans son esprit. Alors ici, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous savons que la parole sort de la bouche de Dieu fait vivre, n'est-ce pas? Nous savons que la parole de Dieu nous aide à vivre, n'est-ce pas? Ce sujet est déclaré dans notre verset. Ici, Jésus est en train de dire, la parole est comme le pain. Ce que le pain fait à l'organisme naturel, la parole fait à l'homme intérieur. La parole est une nourriture. Bon appétit spirituel. Jean chapitre 6, versets 26 à 36. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en ton nom? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna du pain, le pain du ciel à manger. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Là, ils sont d'accord. Ils semblent être d'accord. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Et il poursuit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. 41 à 68. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. De toute façon, j'entends. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange, ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, c'est-à-dire si quelqu'un me mange, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Oh! Que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est quoi ça? C'est quoi cette doctrine? Il nous prend pour des cannibales ou quoi? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang en plus, il renchérit, boire aussi le sang. Donc après l'avoir tué, on recueille le sang, on mange la viande de son corps et on boit son sang. C'est quoi ça? C'est qui cet homme?
Celui qui mange ma chair, 54, et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Il continue de choquer. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. C'est quoi ça? Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Où est-ce qu'il dit ça? Jésus dit ces choses dans la synagogue, à l'église. Elle a compris? À TPV Casa. Est-ce que vous allez revenir le mercredi? Regardez, plusieurs de ses disciples, ne parlons même pas du reste, de la foule. Non, les gars qui étaient avec lui là, après l'avoir entendu, dit « Cette parole est dure. » Qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » Parce que là d'où je viens, on mange. C'est ce que je suis venu vous montrer ici. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il ne faut pas les entendre littéralement. J'utilise un langage naturel pour parler des choses élevées. Continuons, ça va être plus clair. Luc 22, versets 7 à 20. Je suis en train d'enseigner en lisant, vous comprenez? J'ai découvert qu'en lisant, ça me permet de gagner du temps. Et ça fait économie de mes mots, parce que les mots des hommes sont faibles par rapport aux mots de Dieu. J'ai découvert ça en observant comment un père exerce le ministère de l'enseignement. Et j'ai vu qu'il peut prêcher pendant 45 minutes. Mais si tu as pris de notes, vous allez voir que vous avez lu abondamment. Pendant qu'il y a d'autres qui prêchent pendant 2 heures, mais vous n'avez lu qu'un seul verset. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la... » Bon appétit. Surtout qu'il est... 13 heures déjà, hein? Ça tombe bien donc. Je vous sers un déjeuner spirituel. Amen. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Ainsi de suite. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et buvez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit jusqu'au noce de l'agneau? Non, pas le noce de l'agneau. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Regarde, quand Jésus nous a enseigné à prier, il nous a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, que ton nom soit, que ton règne, ou que ton royaume vienne. Cela veut dire que si le royaume de Dieu est ici, quand nous allons prendre ça, il va prendre avec nous.
C'est pas au nom de l'agneau. Amen. Te rends-tu compte de ce qui change aujourd'hui quand tu sais que tu n'es pas seul à prendre ça et que tu le prends avec lui? Amen. Tu comprends que dans ce cas, il n'y a plus besoin de se demander est-ce qu'on doit prendre la Sainte Cène tous les dimanches? Est-ce qu'on doit prendre la Sainte Cène tous les jours? Si tu es conscient qu'à chaque fois que tu bois avec lui, tu ferais ça combien de fois par an? Hein? J'étais à quel verset? 18. Merci. Verset 19. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui s'est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Quand je suis en train de vous dire que quand tu médites la parole, ou bien que tu écoutes une prédication ou un enseignement qui te montre ce qui est écrit, même si c'est nouveau ou bien c'est choquant, si tu vois que c'est cohérent avec les Écritures, ne refuse pas. Ce qu'il a dit dans la synagogue, en Jean chapitre 6, qui a fait que plusieurs de ses disciples l'ont quitté, au point qu'il a regardé ceux qui sont restés et dit, « Mais pourquoi vous êtes là ?» Pierre a pris la parole et dit, « À qui irions-nous ? Toi seul as les paroles de la vie. » Jésus a gardé le silence pendant je ne sais combien de temps, jusqu'au jour où, avant d'aller à la croix, maintenant il explique. Il explique que quand il parlait de la chair, il ne demandait pas de manger son corps physique et qu'il y aurait un pain qui représenterait son corps et qu'il y aurait une coupe qui représenterait son sang. Mettez-vous à la place des 12 qu'ils ont dit, « Enfin, enfin !» C'est pourquoi, au-delà de ce que quelqu'un dit ou fait, c'est la connaissance de son caractère qui fait que tu continues de le suivre, même quand parfois tu ne le comprends pas, ou bien que les gens disent des choses horribles à son sujet. Par exemple, sur YouTube, il y a des choses abominables, horribles qui sont dites au sujet de notre père spirituel, Pasteur Karambiri. Vous voulez que je vous dise, je n'ai jamais cliqué sur ça. Jamais. Comment est-ce que je sais que c'est abominable? À cause des titres. Jamais je n'ai cliqué. Je ne me permettrai jamais d'écouter 5 secondes. Jamais. Mais les chrétiens aujourd'hui disent, en fait, je veux seulement écouter, mais je ne suis pas d'accord. La foi vient de quoi? Je suis rentré au pays et un de mes aînés dans la foi, un frère qui a été déterminant dans ma vie, je suis très reconnaissant envers lui. C'est lui qui m'a connecté à celle qui est devenue mon église et qui m'a appris les premiers pas de l'œuvre de Dieu. Je ne savais pas que j'allais devenir pasteur. Je rentre au pays il y a 2 ans. Il est pasteur depuis longtemps avant moi. Il a plus d'expérience que moi. Et il me fait état, selon lui, de la situation de l'église dans mon pays. Je l'écoute. Et il poursuit en disant qu'il y a des envoyés du diable qui ont des grands ministères avec l'onction diabolique et qui sont en train d'intoxiquer l'église. Et il commence à citer des noms, je ne citerai pas, et dans mon pays et dans le monde. Et puis il cite le nom, il dit, il y a un pasteur là à Karambiri. J'ai même ces vidéos, je les ai téléchargées sur YouTube. Nous avons fait les sciences ensemble, lui et moi. Un produit qui vient d'Internet
ne doit pas être tenu pour vrai. Ayez au moins la critique scientifique d'abord. Donc j'ai commencé par ça parce que lui et moi avons eu le bac ensemble, avons fait les premières années de la fac en sciences ensemble. Il dit, mais mon cher, je vous passe les détails. Alors il a commencé à dire des choses sur cet homme. Plus il parlait, plus la colère montait. Alors à un moment, j'étais tellement en colère que je me suis levé pour aller dans ma chambre. Il pensait que je suis allé aux toilettes. Qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé prendre ma Bible de travail qui est sur mon bureau. Un cadeau du pasteur Karambiri pour mes 40 ans. Je suis revenu avec une Bible. Cette Bible, je l'ai ouverte. Il a lu, signé Mamadou Karambiri. Il dit, ah bon? Tu le connais? J'ai fermé la Bible. Je lui ai dit, je veux te dire que tu es en train de parler à un occultiste. Il m'a dit, tu parles de qui? Je lui ai dit, je parle de moi. Il m'a dit, non. Je lui ai dit, non. Si tu trouves une vidéo, on dit, pasteur Doudou fait ça, c'est... Écoutez la réponse de l'homme de Dieu. Il dit, je ne croirai pas. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, parce que je te connais. Je lui ai dit, ah bon. Moi aussi, je le connais. Je suis allé vite en besogne. Et puis, j'ai ouvert la Bible. Quand il l'a lu, il dit, ah bon, donc tu le connais. Est-ce que tu peux nous mettre en relation? Je lui ai dit, mais je ne peux pas te mettre en relation avec un serviteur du diable. Il a dit, ah mon cher, toi aussi, est-ce que tu peux? J'ai dit, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas. Après, il s'est repenti. Et ça, j'ai aimé. C'est mon aîné. Hein? Il s'est repenti. Il dit, ah, j'ai cédé. Chose qui... Si vous rencontrez l'homme, je m'arrête là. Alors, quand Jésus dit, mangez ma chair, buvez mon sang, qui doit suivre ça? Pourquoi certains sont restés? Hein? Au-delà des mots. Il dit, non, Jésus, il est tout sauf un cannibale. C'est pas possible. Mais il est vrai que nous ne comprenons pas. En fait, que nous ne comprenons pas encore. Et il n'est pas tenu de t'expliquer la minute d'après. Il est resté pendant des semaines et des mois jusqu'à ce jour-là. Vous pouvez imaginer l'apaisement du cœur de Pierre quand Jésus a pris un pain et qu'il a pris une coupe, le fruit de la vigne, et qu'il a maintenant dit les choses clairement. Connaissez-le et ses paroles vous parleront mieux. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez dans 1 Corinthiens 11, Paul est un homme étrange. Paul raconte cette scène. Il n'était pas là dans la chambre haute. Il n'était pas là. Imaginez le choc des 11 apôtres. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous écris. La nuit où le Seigneur fut enlevé, Pierre dit, attention, attention. Attendez d'abord, il n'était pas là. Les gens disent, laisse-le aller jusqu'au bout. Paul détaille, il détaille. Et puis on regarde Pierre, on dit, est-ce que c'est juste? Il dit, je ne sais pas comment le gars a fait, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et l'un de ses derniers mots, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, il dit, il est vrai que notre frère, Paul, dit des choses difficiles à comprendre et qui font que certains tordent le sens. Mais du haut de mon apostolat que vous acceptez, vous les juifs, je crédibilise son message. Tout ce qu'il dit là est vrai, mais vraiment, je ne sais pas comment le gars a fait. Pourquoi Dieu, le Saint-Esprit a élevé Paul à ce niveau plus que Pierre? Pas parce que Paul était supérieur. Il a fait ça pour nous, afin que tu saches que le fait de n'avoir pas connu Jésus physiquement n'est en rien un handicap. Amen. Il vous est avantageux que je m'en... Amen. Regarde la honte dans 1 chapitre 10. Il est toujours question de repas.
la honte. Dans Actes chapitre 10, le ciel a un message pour l'apôtre Paul et pour le païen Corneille. Corneille, l'apôtre Pierre, merci, et le païen Corneille. Dieu envoie son ange parler directement à Corneille. Mais pour parler à l'apôtre Paul, il est obligé d'utiliser un dessin. Qui est à l'école maternelle? Quel était le problème de Pierre? Ce qu'il était rempli de religion. On lui dit, tu es mangé, dit Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de suie. Il était rempli de religion du haut de son apostolat. Et l'obstacle de la religion fait que Dieu ne peut pas parler directement. Mais le païen qui n'avait pas la religion et qui était comme une feuille vierge, prête à tout prendre, Dieu envoie un ange et lui parle directement. Tu iras dans tel endroit, dans telle maison, à la droite, dans telle adresse, GPS, tu trouveras la maison d'un certain temps. Monte et demande. Et le gars accepte. Mais l'apôtre, il faut un dessin. Comme à l'école maternelle. Apôtre, païen, apôtre, païen, né de nouveau avant-hier, chrétien depuis 39 ans. Que les années dans la foi ne te trompent pas. Est-ce que Dieu peut te parler directement? Ou bien est-il obligé de prendre des détours d'image? Parce qu'il ne veut pas te scandaliser. Il y a des choses, s'il te le dit ouvertement, il sait qu'il va te perdre. Comme ses autres disciples. Alors, il part doucement. Seigneur, parle-nous directement. Enlève ce qui fait que tu mets des gants pour nous dire un certain nombre de choses. Au début de notre mariage, vous savez, quand vous vous mariez, vous devez apprendre à vous connaître. Parfois, je fais une blague et elle est offensée. Alors que c'était de l'humour. Après, je lui dis que c'était de l'humour, mais ça nous prive quand même, ça fait quand même 15 minutes de froid. Alors, dans certains sujets, il fallait que je mette des gants. Mais aujourd'hui, je vais droit au but et on rit. Telle qu'elle est là, je vais avoir la même intonation, mais elle sait que c'est de l'humour. Alors qu'avant, il fallait... Depuis que tu connais le Seigneur, êtes-vous arrivé au point où il te parle librement? Regarde, Dieu avait tellement confiance en Paul, que dans l'une des dernières réunions de Paul dans l'église d'Éphèse, vous trouvez ça à la fin des Actes, le Saint-Esprit prophétise, celui à qui appartient cette ceinture ira à Jérusalem, il sera lié, il souffrira. Et des prophètes authentiques libèrent le message. En plus, les frères émus par le message, parce qu'ils savent que ça vient de l'Esprit, ils commencent à supplier Paul de ne pas partir. Dieu voulait que Paul aille là-bas, mais il ne faut pas le dire, sinon ça va dévier l'homme. Non, Dieu avait confiance en la confiance que l'homme avait de lui, qu'il pouvait lui dire clairement. Il pouvait lui dire, tu sais, je veux t'envoyer là-bas. Mais ça va chauffer. Il sait que l'homme ira quand même. Peut-il nous dire ça? Ou bien il va attendre que ça arrive pour que tu le découvres sur le tard? Parce qu'il sait que de ce mal, de cette douleur, quelque chose de bon va sortir. Donc il ne va pas enlever ça. Mais est-ce qu'il est capable de te le dire directement? Ou bien doit-il prendre des images, utiliser des paraboles? Quelqu'un entend la voix du Seigneur? Seigneur, parle-moi librement. Parle-moi directement. Alors, il est question de repas, n'est-ce pas? Vraiment,
le visible vient de l'invisible. Si tu manges sur terre, c'est parce que tu mangeras au ciel. Amen. Et ce qui est magnifique, c'est que cette affaire de repas revient souvent dans les Écritures. En Genèse 18, Dieu est descendu sur terre. Il a mangé la bouffe de Sarah. Lisez, hein, il a vraiment mangé un chevreau. Pourtant, c'était Dieu. Quel compliment. Ma soeur, fais bien la cuisine. Hein? Tu ne sais pas qui mange dans ta maison. Hein? Et quand Dieu a fini de manger, quand tu manges, tu es comment? Rassasié, n'est-ce pas? Il dit, mais moi je suis satisfait. Mais dans cette maison, ils ont une faim. Ah, je ne te laisserai pas marquer le dernier but. Non. Comment se fait-il que toi, tu satisfais mon besoin et moi je vais partir? Tu risques de devenir plus grand que toi. Je ne serai jamais, jamais débiteur de personne. Alors tu as faim d'un enfant, je te dis, c'est à cette même époque, l'année prochaine, cette faim est finie. Amen. Ça va dire, attention, j'ai attendu longtemps. Dieu pense aussi, j'ai attendu longtemps pour manger chez vous. La preuve, en fait, je suis venu pour aller à Sodome. Mais j'ai pris un détour, espérant que vous allez m'arrêter. Partagez un repas avec moi. En Exode 12, c'est un repas qui annonce la libération. Hein? C'était quoi? Mais un agneau qui était dans le troupeau de chaque chef de maison. Ils étaient esclaves. Pourtant, Dieu ne te laissera jamais dépouiller à 100%. Vous rendez-vous compte qu'en tant qu'esclave, chacun avait un agneau. Ou bien Dieu s'était arrangé pour que tu aies un voisin généreux. Parce qu'il dit, si cet agneau est trop gros pour toi, mange-le avec ton plus proche voisin. Il y a toujours une solution. Peu importe aussi bas que tu es tombé. Et quand Dieu parle de ce repas, oui, il y a le sang et la chair. Il dit, le sang, mettez sur le linteau. Je ne prêche pas sur la Pâque aujourd'hui, mais c'est quand même la Pâque aujourd'hui. Il dit, quand vous allez manger ce jour-là, habillez-vous, mettez les chaussures, saignez-vous. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il sait que la viande ne sera pas encore finie. Qu'on va leur dire, partez, s'il vous plaît, partez. Ce repas annonce quoi? Une délivrance soudaine d'un problème qui a duré tellement longtemps. Encore le repas. Dans la maison d'Abraham, une faim qui a fait 24 ans et s'arrête soudainement autour d'un repas. L'esclavage de 430 ans s'arrête soudainement autour d'un repas. Quand il t'invite ici, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Faites le reste. Faites le reste, collectionnez les repas dans la Bible, faites le reste. Vous allez voir combien chaque repas se connecte à une victoire d'une peine qui a duré longtemps. Mais quand le fils prodigue revient, il dit, tu es le veau gras. Parce que l'enfant que voici était mort, il est revenu à la vie. Je ne sais pas combien de temps il a fait là-bas. Mais aujourd'hui, la peine de plusieurs années s'arrête soudainement. Alors mangeons, mangeons, bon appétit. Bon appétit. Parce que c'est la fin de cette souffrance. Bon appétit. Parce que c'est la fin de cette attente. Bon appétit. Parce que c'est la fin de cette servitude. Bon appétit. Parce que c'est la fin de cet échec. Bon appétit.
Mais vous savez quoi? On ne mange pas toujours pour les mêmes raisons. Vous allez dans une maison, vous trouvez une grosse boule de smide avec la tête d'un poisson. C'est la quantité qui compte. Vous allez dans une autre maison, vous voyez une petite assiette avec une crevette, un dessin de ketchup, une fleur. C'est la qualité qui compte. On ne mange pas toujours pour les mêmes raisons. Le premier, il mange pour remplir le ventre. Le deuxième, il mange pour s'alimenter. Écoutez maintenant Jésus. Regarde, vous voyez ça dans la Bible, hein? En Luc 24, Jésus a mangé du miel pour leur prouver vraiment qu'il était ressuscité. Il a braisé du poisson en Jean 21. Quand j'étais plus jeune, vous savez, avec le raisonnement tordu, on se disait, mais à chaque fois qu'on mange, le reste doit partir quelque part. Si Jésus a mangé après la résurrection, 3 points de suspension. L'Esprit me dit, arrête-toi là. Mais j'ai eu la réponse aujourd'hui. Même si je faisais confiance au Saint-Esprit, c'est seulement tout à l'heure que j'ai eu la réponse. Jésus dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. La nourriture spirituelle a toujours des déchets naturels. Dans la nourriture spirituelle, il n'y a aucun déchet. C'est pour ça que je vous annonce qu'il n'y aura pas besoin de toilettes au ciel. C'est pour ça que je vous annonce qu'il n'y aura pas besoin de cimetière au ciel. Parce que dit celui qui mange de ma chair, il vivra éternel. C'est pour ça que je vous annonce qu'il n'y aura pas besoin de prison au ciel. Parce que c'est un repas de délivrance. Mais pour comprendre ces choses, il faut être un humain qui sait ce que c'est que d'avoir faim, de manger, de se rassasier. Les anges, ils ne savent pas ça. Quelqu'un a compris? Un jour, une dame qui a eu des problèmes extraordinaires avec le diable et que Jésus a délivré puissamment. Mais le combat était tel qu'on en voulait à sa vie parce que de là où elle est sortie, elle avait quand même des secrets. Et dans son pays, elle avait des dossiers sur les chefs de la sécurité, sur les chefs du gouvernement, sur le sommet de l'État. Comment ils font des sacrifices humains parce qu'elle était de la campagne. Alors, il fallait l'éliminer. Et la poursuite était devenue physique. Il n'y avait pas que des démons. On cherchait vraiment à supprimer sa vie. Et elle a vu la main de Dieu de manière extraordinaire. Un jour, maman Hortense Karambiri nous a raconté aussi un peu de son témoignage. Quand elle était en Mauritanie, c'est ça? Au Niger, elle a vu des choses. Mais il y a des moments des anges, parce que quand le combat devient très fort, Dieu prouve qui il est. Elle nous a partagé des témoignages. Elle me dit, tu sais, elle nous disait, tu sais, je vous dis ça parce que je sais que vous pouvez me croire. Mais qui va croire si je vous dis? Qui va croire? Mais vous, je sais que vous pouvez me croire. Elle dit, il y a des choses dont je ne parle pas. Au Niger, j'ai souffert, mais Dieu était là. Un jour, le dossier était sur la table du ministère de l'Intérieur. Il fallait l'expulser sur le champ. Et quelqu'un est entré, un homme. Il a dit au ministère, au ministre, celui qui osera chasser cette femme quittera le gouvernement. Attends, après il sort, la personne sort dans la porte. Il est entré physiquement, il est sorti physiquement, et puis tu vois un individu qui vient menacer le ministre de l'Intérieur. Donc le ministre sort, va chez sa secrétaire et dit, mais comment est-ce que vous permettez à quelqu'un d'entrer ici sans m'annoncer? Secrétaire dit, non mais chef, personne n'est entré. Il dit, mais comment ça? Quelqu'un. Il dit, non, chef, vous savez quand même.
Alors il sort maintenant chez les gardes. Le garde dit, non, chef, personne. Alors il a compris. Écoutez, le soir, dans le conseil de ministres, le dossier était là. Il était le seul à dire non. Il dit, je ne vois pas ce que cette femme fait de mal. Il distribue les Bibles. Il dit, mais nous avons des dossiers des terroristes ici. Depuis quand la Bible a créé un problème? Il a dit non. Vous savez quoi? 48 heures plus tard, remaniement. Tout le gouvernement tombe. Le parti au pouvoir perd la majorité. Vous savez comment ça se passe en démocratie? Et quand on fait des nouvelles élections, aucun parti n'a la majorité. Donc, il faut faire des négociations. Et dans ces négociations, le prochain gouvernement, le seul élément du parti passé, c'était le ministre des Affaires étrangères. Amen. De l'Intérieur. Dieu existe, mes amis. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. Je vous ai déjà dit quelques fois que j'ai vu des anges. Mais je ferme ma bouche. Ça ne sert à rien de le dire. Appuyez-vous sur ça. Alors, cette dame-là, un jour, c'était tellement grave qu'un ange est entré dans sa maison. Il dit, j'étais envoyé pour t'encourager. Et la dame, elle a écrit un livre, elle raconte que l'ange-là, à chaque fois qu'il parle, quand il arrive au nom de Jésus, quand il dit Jésus, il baisse la tête. Tu sens la révérence. Mais pourquoi je vous dis ça? L'ange lui a dit, il y a quelque chose que nous apprécions chez vous les humains. C'est que nous, quand nous croyons en Dieu, nous le voyons. Mais nous voyons un homme qui est à genoux, par terre, acculé. Il est, comme on dit, il a le moral sur les chaussettes. Quelques jours plus tard, il est debout. Il n'a rien vu. Il dit, nous les anges, c'est pour ça que nous vous servons. C'est tellement extraordinaire pour nous. Ce que vous avez. Ça s'appelle quoi? La foi. C'est pour ça qu'il nous respecte. Mais vous savez quoi? Abraham vient d'être déclaré vainqueur. N'est-ce pas? Où? Dans la vallée des rois. Dans la vallée, non? Quelqu'un vient lui parler du Dieu très haut. Maître du ciel et de la terre. Le roi des sommets. Là, tu triomphes des rois dans la vallée. Et on dit vainqueur. Mais Chisédek qui dit, je ne veux pas laisser cet homme de foi là-bas. Il y a plus que la victoire. Amen. Il y a plus. Ça, c'est la victoire, mais c'est dans la vallée. Et pour lui illustrer ça, l'idée était très simple. L'idée était de lui dire, Abraham, le Dieu que tu connais, que tu suis depuis quelques années, et tu fais bien de le suivre, il a un nom que tu ne connais pas. Il s'appelle El Elyon, maître du ciel et de la terre. Il a ce nom-là parce que ça veut dire quelque chose. Donc, Abraham dit, ok, Melchisédek, explique-moi. Il dit, El Elyon, ton Dieu-là, que tu connais sous d'autres noms. Il s'appelle aussi El Elyon. Je veux te révéler un nom de lui que tu ne connais pas encore. C'est-à-dire, je veux t'apprendre ce que tu ne sais pas encore du vrai Dieu. J'ai une meilleure connaissance de ce Dieu que toi. J'ai une meilleure connaissance de ce Dieu en qui tu crois. Ok. El Elyon. Dieu très haut. Normalement, ça s'arrête là. Dieu très haut. Il dit, mais Dieu très haut, c'est pour quelque chose. Très haut, parce qu'il est maître du ciel
et de la terre. Abraham, peut-être que le ciel ne t'intéresse pas encore, mais tu es sur la terre. Il dit, le Dieu que tu suis là, il est maître de la terre parce qu'il domine d'abord au ciel. Il n'est pas maître de la terre et du ciel. Non, il est maître du ciel et de la terre. Tu comprends? Comment je veux dire? Regarde. Il est ta femme parce que tu l'as épousée. Et pas l'inverse. C'est pas parce qu'il est ta femme que tu l'as épousée. C'est parce que tu l'as épousée qu'il est ta femme. Il faut faire les choses à l'endroit, pas à l'envers. Donc, tu n'as pas le droit de te comporter avec elle comme ta femme. Parce que ce qui fait qu'elle est ta femme, c'est pas parce que tu l'aimes. C'est pas parce que vous vous comprenez. C'est pas parce que vous vous entendez. Ce n'est même pas parce que vous êtes nés de nouveau ensemble que vous êtes dans la même église. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui fera qu'il est ta femme, c'est parce que tu l'as épousée. Fais les choses à l'endroit. Dieu n'est pas maître de la terre et du ciel. Il est maître du ciel et de la terre. Abraham dit, ah oui, mais je commence à comprendre. Il dit, d'accord, maintenant, est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu dis amen? Il dit, oui. Il dit, répète après moi. Le Dieu que je suis s'appelle El Elyon. Il dit, le Dieu que je suis s'appelle El Elyon. Cela veut dire qu'il est le Dieu très haut. Cela veut dire qu'il est le Dieu très haut. Et il est maître du ciel d'abord. C'est ce qui fait qu'il est maître de la terre. Il est maître du ciel d'abord. C'est ce qu'il est maître de la terre. Il n'est pas d'abord maître de la terre. Parce que c'est le ciel qui contrôle la terre et pas l'inverse. Ah oui, c'est le ciel qui contrôle la terre. C'est le spirituel qui contrôle le naturel. C'est l'invisible qui contrôle le visible. Puisque je suis plus que vainqueur spirituellement, je le suis pour le reste. Amen. Il dit, bon, puisque tu as accepté sur la base de la confession de foi, je te bénis au nom de Dieu El Elyon, le Dieu très haut, celui qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham dit, ah bon? Ah bon? Donc je pensais que j'étais fort. Vous comprenez? Ah! Donc, le combat là n'était qu'un scénario d'un film qui est déjà fait. Je comprends pourquoi je ne sais pas pourquoi, mais au fond de moi, ça s'appelle la foi. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'une grande armée. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Écoute, si tu combats une armée déjà vaincue, le nombre de tes soldats importe peu. C'est plutôt la qualité de tes soldats. Il faut qu'ils soient braves, c'est tout. Parce que s'ils ne sont pas braves et qu'ils ont la peur, c'est la peur qui va emmener la défaite. Ce n'est pas la force de l'ennemi, mais la peur. Vous entendez ça? Ce qui nous donne la victoire, c'est la foi. Ce n'est pas la force, mais la foi. Alléluia! Alléluia! Ah! Abraham dit, mais tu n'es pas n'importe qui. Prends la dîme de tout. Hey! Lisez la Bible. Jamais Abraham n'avait donné quelque chose à quelqu'un. Abraham était un vrai homme d'affaires. Un homme d'affaires berbère. Il connaît la valeur même des centimes. Pourtant, il était riche. Lisez la Bible. Quand il bâtit un hôtel, il ne met rien dessus. Il dit, ah, l'Éternel s'est révélé à moi là-bas. C'est bon, Dieu est trop grand, il n'a pas besoin de rien. C'est Dieu plutôt qui doit me donner. Il n'a pas besoin. Oui, il te l'explique théologiquement. Tu sais, Dieu. Oh, mais c'est... Et il ouvre la Bible, il te dit, écoute, Dieu, il s'appelle le Dieu tout suffisant. Alors que El Shaddai est venu plus tard. Non, mais je vous explique bibliquement. Non, entre lui et nous, qui doit donner à qui? Mais grâce à Melchisedec, Abraham comprend. Dieu n'est jamais débiteur de personne, alors je m'empresserai de lui donner. Parce qu'il ne sera jamais le dernier à recevoir. L'homme a changé. Au chapitre 15, il met des sacrifices sur l'autel. Au chapitre 18, il lui offre un repas. Au chapitre 22, quand Dieu lui dit, son fils unique, il dit, prends. Quelqu'un a compris ça? Amen. Prends! Tu me demandes mon fils unique. Oh, mais je te connais.
J'appelle ça de l'adoration. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour l'adorer. Et je vous promets que nous reviendrons. Pourtant, le gars a un couteau. Et il dit qu'il revient. Mais parce qu'il connaît Dieu. Alléluia. Plus il te demande, plus il a pour te donner. Plus il te demande, plus il a pour te donner. Plus il te prend, plus mieux il te donne. Alléluia. Oh, oh. Il faut quelqu'un qui vient t'ouvrir l'esprit pour te dire, tu crois en Dieu, mais tu ne le connais pas encore. Tu ne le connais pas bien, petit, viens, je vais te montrer. Avec ta petite voix, là, on commence à te chanter vainqueur. Mais Dieu a des plus grandes victoires pour toi. Il a des plus grandes victoires. Ne laisse pas les gens te tromper et te célébrer comme un vainqueur. Cette petite victoire dérisoire. Non, Dieu a mieux que ça. Alléluia. Vous savez quoi? La meilleure. C'est que celui qui était venu sous forme de Melchisédek est là en chair et en os. Même scénario, il prend un pain. Il prend ce vin-là, cette coupe. Il dit, prenez. Melchisédek ne vous avait pas tout dit. En réalité, c'est moi-même qui se donne à vous. Si tu manges celui qui crée tout, ça veut dire que tout est en toi. Alléluia. 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 Si tu manges celui à qui l'or et l'argent appartient, ça veut dire que l'or et l'argent est en toi. Alléluia. Si tu manges celui qui est l'omniscient, ça veut dire qu'il n'y a aucune question auquel tu ne trouves pas de réponse. Alléluia. Si tu manges le Tout-Puissant, ça veut dire que la Toute-Puissance est en toi. Tu es en train de comprendre? Tu es en train de comprendre? Tu es en train de comprendre? Et il dit, à cause de cela, à cause de cela, écoute-moi, Abraham, Melchisédek a attendu la fin de tes combats pour venir t'apprendre ça. Pour te montrer la certitude de ma dimension, nous allons manger avant le combat. Parce qu'il est divinement impossible que nous perdions cette bataille. Il est divinement impossible. Donc nous allons célébrer la victoire avant la guerre. Nous allons vendre la peau de l'ours avant de le tuer. Alléluia! Il est divinement impossible que tu échoues. Si tu manges ce corps, si tu bois de ce sang, il est divinement impossible que tu échoues. Il est divinement impossible que tu échoues. Il est divinement impossible. Yaraba sante kodriyama. Itabro sandere gashkabara kente. Reya sindako prayanama. Ikentabara shetere. Ora kabaya tirano sapalende. Ikenemanto praya sintaraba. Nous connaissons le nom de El Elyon. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a été souverainement élevé dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il s'appelle Jésus. Il est ma force. Il est ma victoire. Il est ma gloire. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Il est ici et il vit en moi. C'est pour ça que je suis un plus que vainqueur. Je célèbre la victoire de 2018 avant le combat. Car il est divinement impossible que je puisse échouer. Oh, Yakabo Santere, Ipra Yakoma Santé, à travers ce repas, des solutions soudaines arrivent. À travers ce repas, c'est la fin de tes pleurs. À travers ce repas, c'est la fin de la servitude. À travers ce repas, c'est la fin de la maladie. À travers ce repas, le corps et le sang du Seigneur. Le corps et le sang du Seigneur. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. L'agneau de Dieu qui a été immolé est digne de recevoir honneur, puissance, force, sagesse,
autorité et toutes nos vies. Il mérite mieux que la dîme. Il mérite mieux que les offrandes. Tout lui appartient. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai est à lui. Alléluia. Tout est à lui. Tout est à lui. Élève son Saint-Nom. Élève son Saint-Nom. Oh, je connais Jésus. Et je veux mieux le connaître. Oh, paradinto praia. Grisamento bre. Yelistagma corante bechef. Oh, yaramanta radassi. Raya ndarabo santere. Karababa shandarara. Yekarab. Tu es ma force incomparable. Tu es ma force incomparable. 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 Alléluia.